finger gun. Salut tout le monde! Bienvenue à la vidéo numéro 4. Alors aujourd'hui, on n'a pas de table devant nous, mais on écoute. On a une petite musique jazz. Ouais, écoutez, la petite musique jazz, ça relaxe. On a notre jazz. Jazz. Puis on a toujours... C'est un vicieux. Oh. Alors aujourd'hui, crayon, post-it, on va jouer à Ed Benz. Oui. Fait que c'est qui commence? Moi. C'est toi? Fait que tu vas écrire un mot. Puis moi, je vais te poser des questions. Puis tu peux, fait qu'il faut que je devine. Tu peux juste répondre par oui ou par non. C'est toi qui vas me répondre par oui ou par non. Oui, parce que moi, ça. Je vais te poser des questions. Fait que tu vas montrer le mot aussi à la caméra. Je ne regarderai pas. Parce que, tu sais, il faut que le monde avec toi devine. Là c'est-tu uniquement objet ou c'est personne aussi? Ça peut être objet, ça peut être une personne, un nom propre, une couleur, un animal, ce que tu veux. C'est ça. Mais là, vu qu'on n'a pas le jeu, ben, tu sais, on est obligé d'inventer. Fait qu'arrange-toi que ça ne soit pas si dur. Allô, Timé? Oui, Timé, tu veux te coller? Oui, oui. Bonjour, Timé. Bonjour. Fait que, c'est ça. OK, attention. All right. Ah, ça va-tu tenir dans ton fond, ça? OK, tiens, les cheveux, mes cheveux. Okay. Fait que, OK, fait qu'on commence. Je suis pas sûr qu'il va tenir, moi, dans les lunettes. Et voilà. Fait que, OK, on part? Oui. On met-tu un temps? Non, non, vas-y. OK, puis on se tape un moment donné. Oui. Est-ce que c'est une personne? Non. Ça ferait pas l'air sûr. C'est-tu un objet? Non. C'est-tu vivant? Oui. C'est vivant, mais c'est pas une personne. C'est-tu une plante? Non. C'est-tu quelque chose qui pousse dans les arbres? C'est vivant? Oui. Mais oui, c'est ça? Oui. Ça pousse dans les arbres? Non, ça pousse dans les arbres. OK, mais c'est vivant? Oui. OK, c'est ça que tu voulais dire. Oui. Est-ce que c'est un animal? Oui. Est-ce que c'est... on trouve ça à la ferme? Oui. Est-ce que c'est une vache, un cochon? Non, non. Une poule? Non. Est-ce qu'on le mange? Non. Est-ce que... ça se mange pas, fait que c'est pas des cochons ben, de la main? Ça se... Non, non, c'est correct. Ça se mange pas. Non. T'es pas sûr. Non. Non. C'est dégueulasse. C'est une chauve-souris. Non. Attends, c'est un animal, ça se trouve à la ferme. Ça se trouve-tu dans la ville aussi? Oui. Ah, OK. Fait que c'est pour ça d'abord. Ça, c'est les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans les deux? Châteauguay, non, il n'y a pas de poule à Châteauguay. Pas supposé. Non, pas supposé. Après ça, est-ce que le monde se prend avec un chien? Non. Non? Parce que là, tout le monde sort les chiens, de plus écrire ça. Est-ce que c'est un chat? Oui. Un chat. Mais c'est pas ça la réponse? Fuck. Mais oui, chat, c'est un des sortes de chats? C'est quoi ce chat-là? C'est un persan? Non, mais... Est-ce que c'est... un chat, mais c'est d'autres choses. Ah, tu l'as-tu appelé Timé? Oui! Timé. Moi, j'ai toujours pensé que c'était Timé. Non, c'est Timmy. C'est le l'ancien... C'est correct, la poule, tu l'appelles Timé? Ouais, faut l'appeler Timé, oui. Mais c'est... Wow! Timmy, c'est... à vrai dire, son vrai nom, c'est pas Timmy. Son vrai nom, c'est Timinou. Puis t'as un diminutif... Timmy est un diminutif de Timinou. Fait que c'est... c'est ça. C'est censé être Timinou, son nom. Mais on l'appelle Timmy. OK! Regarde pas! Faut le montrer à la caméra. Ah, ça fait en envers quand on le montre à la caméra. Parce que c'est ça l'affaire. Puis là, ben, je vais te mettre genre dans ta casquette. Ouais, ben ouais, en glissant sous. Je te vois pas. OK, vas-y, pose ta question. OK, est-ce que c'est vivant? Non. Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce que c'est... Attends, c'est pas vivant, c'est pas un objet. Non. C'est un concept? Non. C'est-tu... voyons donc, c'est une croyance? Non. C'est un genre? Non. C'est un jeu? Non. C'est quelque chose qu'on a ici? Non. C'est quelque chose qu'on a au Canada? Oui. Est-ce qu'on s'en sert tous les jours? Non. OK. Est-ce qu'on s'en sert juste pendant le temps de l'année? Non.
Est-ce qu'on s'en sert une fois par année? Non. Est-ce que tout le monde en a? Non. Est-ce qu'on pourra en avoir son vrai? Non. C'est pas vivant? C'est-tu vivant ou non? C'est pas vivant. C'est un personnage? Non. Ok, c'est-tu est-ce que c'est une toune? Non. Est-ce que c'est une création de quelqu'un? On pourrait dire oui. Ok, c'est une invention. Non. C'est une création. Hein? C'est-tu un bête? C'est-tu un pet? Ah! Un pet? Non, c'est pas un pet. Timmy? Non. Mais non, c'est vivant, Timmy. Oh, t'as raison. Oh, Timmy. Putain de merde. Est-ce que c'est pour les gens riches? Non. C'est pour les gens normaux? Oui. Ok. Fait qu'on peut en avoir. Non. Mais c'est pour les gens normaux, t'as dit que... Tu peux pas en avoir, non. Est-ce que c'est de l'espoir? Non. Est-ce que c'est quelque chose qu'on croit en? C'est ça quelque chose qu'on pense souvent? Ben, moi, oui. Est-ce que c'est une émotion? Non. Putain, merde, tu me fais. C'est vraiment top. Je le pense, à ce que j'y pense, ça a l'air niaiseux, mais c'est vraiment top. C'est-tu un état d'esprit? Non. C'est-tu un comportement? Non. C'est-tu une façon d'être? Non. C'est-tu une manière qu'on parle? Non. C'est pas une langue? Non. C'est pas un calcul? Non, non. C'est pas un rêve? Non. C'est-tu... c'est une invention, ça a été créé. Y a-t-il un est-ce qu'on connaît l'inventeur de ça? Ben oui. Ok. L'inventeur est-tu mort? Non. Est-ce que l'inventeur est dans la... Est-ce que c'est Donald Trump? Non. Ok, est-ce que... Non, c'est vivant. Est-ce que l'inventeur est un homme? Oui. Est-ce que l'inventeur est un Canadien? Oui. Est-ce que l'inventeur est un Québécois? Oui. Est-ce que l'inventeur est un francophone? Oui. Est-ce que l'inventeur est encore vivant? Oui. Est-ce que l'inventeur est dans la cinquantaine? Non. Est-ce que l'inventeur est plus jeune? Plus jeune que quoi? Plus jeune que 50? Est-ce que c'est un parti politique? Non. Est-ce que c'est un mouvement? Non. Eh, on va au calice. C'est bien dur, ton esprit. Quand t'es tanné, là? Ben, je pense être tanné, là. Je veux un indice. Pense pas mal plus gros, là. Plus gros, est-ce le pays, quoi? Un pays, Québec? Ah, je sais vraiment pas, Rick. C'est un endroit. C'est un lieu? Uh-huh. Et c'est un lieu, c'est ouais. Au Québec? Oui. Est-ce que c'est l'Agora de la Patrie? Non. Est-ce que c'est le IGA? Non. C'est le Costco? Non. C'est à Montréal? Non. C'est à Chaudagui? Oui. Oh, c'est le magasin en Zelle? Oui! Fait que c'est une création faite par un Québécois. T'es modeste. On va en reprendre, c'est la moindre de moi ça. On va en faire un dernier, parce que sinon on va dépasser 10 minutes, puis je sais pas ce que ça fait sur YouTube. Mais je pense que c'est un facile. On s'en fout, on va en faire un chat. Oh yes. Ah ok, il faut pas que je regarde. Ah non, au pire, on va en faire deux, ça va être part 2. Ah non, on va faire. Écoute, Mario, il upload des vidéos de 3 heures, je peux pas croire qu'on peut pas. M'oublie pas de monter en caméra. Ok, Rick, viens ici. Les lunettes. Oui, relève tes lunettes. Non, mais. Ouais, ok, parfait. Ça va tomber, ça. Attention, ouais, tire un peu. Ah. On est même pas obligé de le mettre, tu sais. Ok, tire, tire, c'est bon. Ok. Regarde pas vous. Regarde pas. C'est bon. Ok, c'est-tu vivant? Oui. Non, oh, c'est vivant. C'est-tu une personne? Oui. C'est-tu quelqu'un de connu? Oui. Une femme? Non. Un homme? Oui. Un homme connu. Regarde pas ton geste. C'est bon. Est-ce que c'est un chanteur? Non. Un acteur? Non. Est-ce que c'est un... J'allais dire musicien, non? Musicien? Non. Ok. Un homme politique? Non. Quelqu'un qui travaille... Oh my god. Fait que, attends, on a dit pas homme politique. Quelqu'un qui travaille... Est-ce qu'il travaille présentement avec qu'est-ce qui se passe? Non! Fait qu'il peut pas travailler, fait que c'est pas un bien essentiel qu'est-ce qu'il fait. Ok, c'est sûr que non. Non! Est-ce que le gars, c'est un inventeur? Non! On a dit ça tantôt. Est-ce que...
Est-ce qu'il est payé cher de l'heure? Oui. Oui? Oui? Est-ce que c'est un joueur de hockey? Non. Est-ce que c'est un sportif? Non. Est-ce que c'est pas un sportif, c'est pas un inventeur, c'est pas... Il est riche? Oui. C'est un riche? Oui. Est-ce que c'est Tim Horton? Non. Est-ce que c'est Monsieur Walmart? Non. Walton. Est-ce qu'il a créé un magasin, justement? Non. Est-ce qu'il a créé un endroit? Non. Est-ce qu'il a créé... C'est une invention qu'il a faite? Non. C'est un objet qu'il a fait? Non. C'est un monsieur riche. T'es là, dans la sphère artistique, reviens là-dedans. Ah, fait que j'ai dit acteur, musicien, chanteur. Qu'est-ce qu'il me reste? Un gars de théâtre? Ah, oh, il a fait du théâtre déjà? Non. Parce qu'il est riche, c'est sûr qu'il a pas fait du théâtre. Un humoriste! Non plus! C'est pas un homme politique non plus. Il a fait rire du monde, par exemple. Il a fait rire du monde. Donald Trump, mais tu m'as dit que c'était pas un homme politique, ça reste un homme politique. Fait que c'est pas un sportif, c'est pas un chanteur. Hey my god, là, mais c'est dans l'artistique. Oui. Parce que tu m'as dit oui, puis il est riche. Oui. C'est un Québécois? Oui. C'est un Québécois. Oui. Bombardier. Il me fait rire, des fois. Artistique. Mais je suis pas tombé sur le bon artistique. Y a-tu fait le je sais pas, y a-tu créé d'abord une affaire que les humoristes vont dedans, là, comme Gilbert Rozon? Ah oui, il a créé de quoi, oui. Ah, il a créé de quoi? Fait que les humoristes vont dedans, okay, oui. OK, fait que juste pour rire, Gilbert Rozon? Non. Y a-tu quelqu'un d'autre? Ah oui. Y a quelque chose d'autre, formez-moi. Il dit oui. What the fuck, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Le festival juste pour rire? Ah non, il vient de le dire. C'est pas un festival, non. C'est pas un festival. Tu ça passe pas à TV? Non. Ça passe pas à TV. Pose ta question différemment maintenant. Est-ce que ça passe sur Netflix? Non. Est-ce que ça passe. C'est-tu des pièces? C'est-tu. Attends, on va-tu voir ça dans un amphithéâtre, genre? Non plus. C'est le gars qui fait la. Ah, le gars qui fait le Sorte-Soleil. Non. Non plus, je sais pas son nom, là. C'est Guy Laliberté. Guy Laliberté, merci. Mais c'est pas ça. Parce que lui, il fait rire. C'est un cirque? C'est pas un cirque. Écoute, je suis mêlé, là. Tu veux-tu... Tu as un indice. Moi, je te donne un indice. C'est un endroit tantôt, okay. T'as compris que c'était un homme québécois populaire. Ouais, qui était riche. Qui est encore riche, mais qui est plus actif maintenant. Mais il est encore vivant. Il est plus actif, mais il est encore vivant. Ouais, ben j'allais dire René Angéline, mais il est mort. C'est un homme riche, populaire, qui est plus actif. Mais il est encore vivant. Je sais pas si ça m'aide. C'est dans l'heure qu'on n'est pas live, là. Le monde pourrait m'aider. Peut-être bientôt. Ouais. Ouais, ben pour vrai, je pense avoir de la misère, mais tu vois. Écoute, je vais être obligé d'abandonner. Ah. Tu vas avoir le point. Oh my god! Et voilà! Ouais, non, c'est bon, il fait rire. T'as pas demandé, tu sais, t'as dit toute la. Je suis ramené à l'artistique parce que t'as pas demandé s'il faisait de la télé. C'est pas un acteur, c'est pas un humoriste, tu sais, mais tu comprends. Tu comprends, mais. Non, t'as vraiment raison. Il fait rire le monde, mais c'est pas. Ben, il faisait rire le monde parce qu'il fait pas trop rire. Gros prédateur. Mais bon. Ok, on en fait un dernier. Fait que là, à la maison, vous avez compris que c'est vraiment facile à jouer, puis vous voyez que c'est vraiment le fun. Ben, crime, on a passé. Surtout si vous êtes plus que deux. On a deux. On a, écoute, il y a 200 papiers, puis on a passé juste trois, puis on trouve ça très drôle. Le pire, c'est que si, il y a des journées, comme je vous dis tout le temps, écrivez-moi sur Facebook, hein, parce que des fois, je suis seul, moi aussi. Parce que Félix fait du télétravail, fait que on peut jouer, mais, je peux-tu le voir, on peut jouer. J'essaie de te faire deviner quelque chose, puis là. Ok, on regarde pas! Ça fait genre 5 minutes, je les ai fermés. Là, c'est encore en envers, c'est ça qui est drôle quand tu fais. J'ai jamais pensé à ça, moi. Que tout serait en envers. OK! Allez, on te cache un œil encore. OK. C'est un pirate, non, frère. Est-ce que. Oh, tabarnant, Timmy. Oui, Timmy, tu sais que ça va, Timmy Morve. Le morveux. Encore, lisse wesh. T'es dégueu, est-ce que tu. Lavez les bras après, tu sais.
On va le mettre dans la veuse. Non, Timmy, non, non, pas. Tu mets dans la veuse, mais pas. J'aime ça parce que tu mets tout le temps avec nous autres. Oui, tout le temps. Il pourrait jouer à Saint-Éric, ça doit être. Ok, okay, c'est une personnalité? Non. C'est un objet? Oui. Est-ce que c'est un jeu? Oui. Est-ce que je l'en possède? Oui. Est-ce que ça se joue avec des dés? Non. Ça se joue avec des cartes? Non. Ça, ok, c'est un jeu vidéo? Oui. Est-ce que c'est récent? Oui. Est-ce que c'est une Switch? Oui. Bravo. Switch? C'était yeah! La Switch. C'est un peu trop facile, hein? Mais moi, j'aime ça, la Nintendo Switch! Fait que c'était ça pour aujourd'hui. C'était notre vidéo. Oui. Oubliez pas, on sort pas. Oui, on sort pas, on reste dedans. C'est on ça. Aime nos chats. On aime nos chats. Passez le temps avec votre coloc, votre famille, votre chum, votre blonde, là, pour de vrai. Oui, faites-vous des vidéos live. On a joué avec une amie aujourd'hui, elle s'est mis live. On a joué à Just One. On a joué à. Similo. Similo. On a joué aussi à. C'était. Il en manque un. Ouais, mais je sais c'est quoi le jeu. Le nom que je cherche, c'est. Le jeu, le contrat d'Ascalgary, Unison, non? Unison. Bon, ben, on va aller nettoyer le nez à Timmy, fait qu'on se parle à la prochaine, guys. Bye bye! Ciao!